Tu rentres tard? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu un temps fou à la sortie de la ville ce matin. Il y avait beaucoup de circulation aujourd'hui. Mais tu as pu laisser Victor à son cours de canoë? Oui, mais ça a été très compliqué. Car lorsque nous sommes arrivés au lieu de rendez-vous, il n'y avait plus personne. Tout le groupe était déjà parti. Tu n'as pas appelé son entraîneur, Christian? Non, je n'avais pas son numéro. Tu aurais dû m'appeler, je l'avais, moi. Tu as raison, mais sur le moment, je n'y ai pas pensé. Et alors, comment avez-vous fait? Eh bien, je suis allée à l'accueil de l'école et une personne m'a indiqué où retrouver le groupe. Et nous y sommes allés. On a attendu un peu, mais on a fini par les retrouver. Victor a perdu une demi-heure de cours. Ce n'est pas si grave. C'est déjà bien qu'il ait pu y aller. Et pour le retour, ce soir? Je me suis mise d'accord avec la mère de François. Elle ramène Victor après le cours. Super! Samedi prochain, c'est moi qui m'en occuperai. Allez, viens, on va déjeuner. Tout est prêt. Tu rentres tard? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu un temps fou à la sortie de la ville ce matin. Il y avait beaucoup de circulation aujourd'hui. Mais tu as pu laisser Victor à son cours de canoë? Oui, mais ça a été très compliqué. Car lorsque nous sommes arrivés au lieu de rendez-vous, il n'y avait plus personne. Tout le groupe était déjà parti. Tu n'as pas appelé son entraîneur, Christian? Non, je n'avais pas son numéro. Tu aurais dû m'appeler, je l'avais, moi. Tu as raison. Mais sur le moment, je n'y ai pas pensé. Et alors, comment avez-vous fait? Eh bien, je suis allée à l'accueil de l'école et une personne m'a indiqué où retrouver le groupe. Et nous y sommes allés. On a attendu un peu. Mais on a fini par les retrouver. Victor a perdu une demi-heure de cours. Ce n'est pas si grave. C'est déjà bien qu'il ait pu y aller. Et pour le retour ce soir? Je me suis mise d'accord avec la mère de François. Elle ramène Victor après le cours. Super! Samedi prochain, c'est moi qui m'en occuperai. Allez, viens, on va déjeuner. Tout est prêt. Tu rentres tard? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu as pu laisser Victor à son cours de canoë? Tu n'as pas appelé son entraîneur, Christian? Tu aurais dû m'appeler, je l'avais, moi. Et alors, comment avez-vous fait?
Ce n'est pas si grave. C'est déjà bien qu'il ait pu y aller. Et pour le retour ce soir? Super! Samedi prochain, c'est moi qui m'en occuperai. Allez, viens, on va déjeuner. Tout est prêt. J'ai perdu un temps fou à la sortie de la ville ce matin. Il y avait beaucoup de circulation aujourd'hui. Oui, mais ça a été très compliqué. Car lorsque nous sommes arrivés au lieu de rendez-vous, il n'y avait plus personne. Tout le groupe était déjà parti. Non, je n'avais pas son numéro. Tu as raison, mais sur le moment, je n'y ai pas pensé. Eh bien, je suis allée à l'accueil de l'école et une personne m'a indiqué où retrouver le groupe. Et nous y sommes allés. On a attendu un peu, mais on a fini par les retrouver. Victor a perdu une demi-heure de cours. Je me suis mise d'accord avec la mère de François. Elle ramène Victor après le cours.